There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is another one. Hey yo tout le monde, Thunder Axel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Refuge. Donc j'ai trouvé une armure en bouse. C'est génial, c'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. J'ai au moins deux points d'armure. J'avais pas remarqué, mais juste ici, juste là, il y en avait un. Et il y avait des reward back et j'ai trouvé ça. Des Solar... Soarion, projet X, lol. Ah ouais, d'accord, ça rigole pas ça. Je sais pas ce qu'on peut en faire, mais. Des structures. Ah ouais, d'accord. Je sais pas ce que ça fait, mais. Ah oui, non, ça fait. Ah ouais, on en fait des armures, quoi, t'inquiète. Ouais, attendez, ça je regrette, mais il faut que je me fasse. Hop, un truc pour faire cuire. On va prendre du bois, parce que j'en ai tout plein et je le peux. Je vais même en faire cuire 3 de plus. Et avec celui-là, on peut faire la même chose ou... Ah ouais, on peut faire le même carrément. Ouais, il n'y a pas grand chose de différent. Donc ça... Ah ouais, non. Ouais, clairement, je vais troquer contre cette vieille épée, là. Allez, salut, vieille épée. Hop. On va déjà récupérer ça pour faire... Bien sûr, j'oublie des sticks, comme à chaque fois. Tac. On va récupérer la moitié pour faire des sticks. Voilà, comme ça au moins j'aurai une petite hache pour l'extérieur aussi. Tac, tac, tac. Hop. Et en plus elle a la classe cette épée, je regrette. Enfin, hop. Ouais, clairement, ça a la classe. Ah, c'est pas mal ça. Bon, je commence à mettre un peu plus d'entrain. J'ai pas encore regardé à ça. Je regarde un peu partout. Bigger chest, iron chest, bien sûr j'ai toujours pas de cuir. Ça c'est un peu plus embêtant que je n'ai pas le cuir. The lab. Ouais, ben, on va faire justement tout ça. Donc stencil table et tout ça. Stencil table. Il faut faire le blank pattern. Ouais. On va crafter ça tout de suite. On va se faire quelques blancs patterns. Il me semble que c'est tac tac. Ouais, c'est ça. Bon, on a quelques blancs patterns. Je fais attention parce que j'entends des mobs. Et il me semble que hop, on peut faire comme ça. On a la stencil table, c'est bon. Et en plus on obtient directement l'autre, j'ai oublié le nom. Le part builder, ça il me semble qu'il faut... Ouais, c'est ça. Il me faut du bois que je vais aller chercher tout de suite. Comme ça. Hop, on monte tout en haut. Ah ok, c'est des lumières. Ah, ça va tellement plus vite pour récolter le bois. Hop, c'est pas grave pour les pommes qui sont en train de pousser. Tac, on récolte notre bois. On fait pas attention à la nature de toute façon. Ah, s'il y a un refuge, c'est qu'il y a eu un souci. Hop, ça s'enfonce bien dans le sol ces arbres là. Bon, on va aller tout de suite se crafter. La stencil... non, le part builder. On va aller tout mettre dans la pièce de storage, comme ça on est tranquille. Hop, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit encore se faire? La tool station.
Attendez, donc Tool Station, c'est une crafting station. D'ailleurs, ça je vais modifier en crafting station. Il me semble que c'est comme ça. Tac. Tac. Je vais m'en refaire une. Parce que la crafting station, elle est mieux que la table de craft de base. Enfin, je préfère ce design là en tout cas. Hop, ah bah voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. On va aller tout déposer et on va claim juste après. Et encore une fois, j'ai oublié de mettre mon chrono. Donc attendez. Hop, voilà. Ça fait déjà 5 minutes d'épisode, j'oublie encore de mettre mon chrono. On va plus me refaire, clairement. Bon, pour l'instant, je pense qu'ici on est plus ou moins safe vu que j'ai plus ou moins éclairé la zone. Hop, voilà. Reward bag ou reward bag? Bah, reward bag. C'est tout. Il n'y a pas où. Celui-là ou celui-là, d'ailleurs. Il n'y a plus rien, d'accord. Un peu de redstone. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous faire? Hop. Pickaxe ce pattern. Comment on fait les patterns? Ça, j'ai jamais fait, par contre. Ah oui, d'accord. Je sais pas comment on fait les patterns. Ça, c'est un peu plus ennuyant. Backpack. Attendez. Si on sait faire le backpack... Voilà. Ouais, c'est... du cuir. Le cuir qu'on peut récolter. Je ne sais pas comment. Je vais regarder... au pire, est-ce qu'on a débloqué des quêtes aussi? Oula. Si on a débloqué des... Ah ouais, il faut faire un oven. Le oven qui se craft... comment? Beaucoup de fer. Ça, c'est bon à savoir parce que je n'ai pas de fer. Ensuite, hop. Ouais, mais... Ah oui, attendez, on a une autre quête en cours justement de l'autre côté, donc on va aller voir tout de suite de l'autre côté. Est-ce que ça a poussé ces trucs-là? Ah, je sais pas si c'est poussé à fond. C'est... ça a pas l'air. Bon, je fais une petite ellipse le temps que ce soit ellipsé à fond. En étant à la recherche des vaches, je suis tombé sur un mob. J'espère qu'il est pacifique. Mais ça a l'air d'être un survivant ou quelque chose... Ah ouais, c'est un survivant. Salut. Ça va? Il ne m'attaque pas. Je sais pas si je peux devenir ami avec. Tiens, une patate. Non, il récupère pas. Bon. Je retourne à la recherche des vaches pour faire le backpack. Oh, il y a même des oiseaux. Ouais, énorme. Bon, allez, à tout de suite. Et re tout le monde, donc j'ai trouvé ce petit endroit, il y avait deux zombies qui gardaient ben justement ça. Oh, des gems. Oh, ça c'est parfait par contre. Et un des zombies m'a drop un peu de cuir, donc je vais essayer de farmer ces zombies là justement, vu qu'ils donnent du cuir. Et j'ai un petit coup de lag. Bon, je vais quand même... Ah voilà, il a enfin décidé d'aller manger. Voilà. Donc je vais farmer ces zombies là, j'ai vu c'était lesquels, je suis pas trop loin. Salut, zombie notch, salut, ça va? Ben on se retrouve tout de suite après. Et re tout le monde, donc je reviens ici à la base. Donc j'ai enfin trouvé un endroit où il y avait des vaches. Juste ici c'est blindé, mais blindé de vaches partout. Donc j'en ai profité. Tout ça, c'est tout ce que vous voyez en, qui ne sont pas en rouge, ce sont des survivants, juste blindés. Et j'ai trouvé aussi pourquoi ils mangeaient assez lentement. C'est juste quand on fait shift, les 6 dernières nourritures qu'il a mangées, ben, il veut changer quand même un peu, quoi. Parce qu'en plus, il est difficile, il est en période où il doit survivre à mort et il est méga difficile. Donc je vais lui faire un peu de pain pour changer et avoir au moins une nourriture assez consistante.
et il sera content comme ça. J'ai regardé. Ouais, non. J'ai rien d'autre. J'ai à voir rien d'autre. Bon, on va descendre. On va aller directement à la table de craft parce que j'ai eu assez de cuir en tuant les vaches. Donc, hop. On peut se faire un petit sac à dos. Où on va foutre bah, tout le reste du bordel en attendant. Tac. Hop. On va se faire du pain. Comme ça, au moins, il peut manger un petit peu. Le reste, on s'en fout. Voilà. Donc, on a un peu progressé. Merci, parce que j'ai redémarré la partie entre deux. C'était sur The Lab, il me semble. Ouais, c'est ça. Ah ouais, on peut avoir le yellow direct, quoi. À l'aise. Et un max de fourneau. Allez. Hop. On va manger un bout. De toute façon, je peux en manger 6 avant qu'il soit en moitié dégoûté. Voilà. Donc, hop. On va placer les fourneaux ici au bord. Qu'est-ce qu'il nous demande d'autre maintenant? Ah ouais, backpack pouch. Back. Tac. Il faut rajouter un peu de cuir. Ouais. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose par hasard parce qu'on ne sait jamais. Ça n'a pas l'air. Ben. Je vais aller refarmer un peu de cuir pour retrouver quand même un petit peu. Et de la ficelle, il me semble que j'en avais. Donc à ce niveau-là, la ficelle. Ah, avant aussi, on va aller jeter un petit coup d'œil par ici. Ça n'a pas l'air d'avoir poussé à fond. Je sais pas quand c'est poussé à fond ces trucs-là. Ouais, on verra bien. Bon, je vais rechercher un peu de cuir. Et re tout le monde, donc, enfin, pour vous, parce que bon, ça fait un petit moment que j'ai pas joué sur sur ce modpack. Donc, il y a juste un bruit de sourd, c'est affreux. Et pendant qu'il y a un éclair, encore une fois, ben regardez, je suis mort deux fois, je viens seulement de l'apprendre. Et aussi, j'ai enfin eu ma Magnitio Essence. Apparemment, d'après ce que j'ai vu dans mes derniers tournages, ben j'arrivais pas à en avoir. En fait, il faut attendre qu'il y ait cette petite. Allez, cette petite boule verte, et on casse. Bon, on va se prendre un peu de dégâts, forcément, sinon c'est pas drôle. Et à chaque fois, bah, tout simplement, on reçoit une Magnitio Essence. Donc, je vais attendre que le temps se calme. Comme ça, j'irai chercher mon stuff. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde. En fait, je viens de remarquer juste un truc. Les blancs patterns, je savais en faire. Je savais faire tout ça, en fait. Il suffisait de crafter un blanc pattern. Donc le blanc pattern qui se craft comme ceci, un truc de planches et de sticks. Oula, méga lag, pas grave. Et il faut le mettre dans le... Non, pas le parse builder, le stencil table. Et dans le stencil table, bah, après on choisit ce qu'on veut avoir. Donc il fallait une pioche. Qu'est-ce qu'il fallait encore? Attendez. La tête de pelle. Voilà. Ensuite, il nous fallait la tête de hache. Voilà. Ensuite, il nous fallait la sword blade. Alors, la sword blade, c'est laquelle? Knife. Sword blade. La tool binding pattern. Tool binding pattern. Voilà, comme ceci. Ensuite, il nous faut la tool rod pattern. Tool rod pattern. Voilà. Et ensuite, il nous faut la white guard pattern. Donc ça, c'est celui-ci en bas. Et voilà. On a un objectif de Clem. Ça va? Fallait le savoir, en fait. Donc ça, je sais pas où je pourrais le ranger. Et maintenant... Ah ben, on peut... débloquer quelque chose. Le Might... smelting, attendez. Le Mighty
Smelting. Il se craft à l'or avec Material and New Volume 2. Material and New Volume 2. Material and New Volume 1. Attendez. Donc un blanc pattern et une feuille. Ah oui, je n'ai plus d'énergie. Ça, j'ai fait une grosse connerie en mettant là. Je n'ai plus d'énergie, donc je ne sais pas récupérer ce que j'ai mis dedans. Bah, je vais partir un peu à la recherche de canne à sucre. Ah bah voilà. Et en même temps, je vais récolter ces trucs-là. Donc on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc j'ai crafté le livre Mighty Smelting. Donc, on peut choisir entre... Ah non! Crafting Task. Ah d'accord, il faut aussi faire le Four Tinker. Oui, bah, je pense qu'on pourra faire ça au prochain épisode parce que ça fait déjà un bon petit moment que je farm. Et vu que j'ai prévu une autre vidéo pour demain, vu que je tourne vendredi, je propose qu'on s'arrête ici. D'ici, je promets que les vidéos sont beaucoup plus régulières. J'ai même fait un planning et tout. Je peux vous dire que aujourd'hui, donc, j'avais pas prévu. Mais demain, je publie une vidéo. Dimanche, je fais rien. Parce que le dimanche, je ne ferai jamais rien. Et après, j'ai prévu les tournages, les publications, les jours de montage et tout ça. Donc, n'ayez pas peur. Ce coup-ci, je vous promets que je ferai vraiment, comme j'ai promis, une vidéo avec des... Enfin, une chaîne avec des vidéos plus régulières. Ça ira mieux dans le temps. Aïe. Allez.